ton réveil. Bon, je suis fatiguée. Laisse pas dormir encore un peu. Pas question, c'est l'heure du déjeuner. La cuisine va fermer bientôt. Tu veux vraiment qu'on manque les toasts froids puis le café tiède? Les 8 heures. J'ai pas le goût de me lever. Laisse pas dormir encore un peu. À part ça, il y a rien à faire. Ça sert à rien de se lever. T'es belle quand t'es tout dit comme ça. Mais c'est pas une raison pour y rester toute la journée. Allez, debout. OK, d'abord. Amène-en des rôties froides du café tiède. Bonjour, Mme Rose. Comment allez-vous? Ah, bonjour, M. Vincent. Bon, ça va comme ça peut, mais je me sens un peu fatiguée. Et vous? Bien, merci. Depuis que j'ai su que mon fils venait me voir demain midi. Ah, bien, je lui dirai un beau bonjour de ma part. Certainement. Donc, je vous laisse, mes toasts commencent à froidir. À la prochaine, M. Vincent. C'est bien. Bonjour, Mme Rose. Je crois qu'il va faire beau aujourd'hui. C'est un temps parfait pour aller flâner à l'extérieur. Oh, ça me tente pas. Sais-tu, je préférerais jouer une petite partie de dame plus tard. Pourquoi t'as joué pas une avec moi? Comme tu veux, ma belle. C'est toi qui as gagné la dernière fois. C'est toi à jouer. Ah, tu sais, ça me dérange pas. C'est un peu tranquille ici. Hein? On peut penser au silence d'un salon funéraire. Si on mettait de la musique. Oh oui, tu sais, notre chanson qui est si belle, tu devrais la faire jouer. OK, d'accord. Me feriez-vous l'honneur, madame, de m'accorder cette audience? Bien sûr, monsieur. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande, et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. C'est à ton tour. Oh, j'ai chaud, je suis fatiguée et je suis bien tannée. Un peu d'air frais te ferait du bien, toi. Si on prenait cette marche. D'accord, comme tu veux. C'est l'heure des médicaments, Madame Brunet. Ben, vous savez parfaitement que je n'ai pas besoin de vos pilules. Eh bien, c'est justement parce que vous n'en ayez pas besoin qu'on vous en donne. Tenez, prenez ça et ensuite une grande gorgée d'eau pour faire descendre le tout. Allez, pour ta santé. En plus, elles ne sont même pas bonnes, vos pilules. Si au moins elles me rendaient sourde et aveugle, j'aurais pas besoin de voir ni entendre vos niaiseries. Allez, cause pas de problème, regarde. Prends des pilules. Faites-moi pas de problème, Madame Brunet. Prenez-les, s'il vous plaît. OK, d'abord, je vais les prendre. Et vous êtes fine. T'inquiète pas, Rose. Je t'attends.
Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonne nuit, Rose, à demain. Bonsoir tout le monde. Bien chers frères, bien chères sœurs, nous sommes tous ici réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la vie et aux accomplissements de Rose-Marie Brunet. Le Seigneur a rappelé à lui Rose-Marie, tout comme il l'avait fait pour son mari Victor il y a de cela 5 ans. Ils seront désormais réunis au royaume des cieux afin de partager le repos éternel. Nous te saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vois, j'ai plus à t'attendre maintenant. Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit.